Je suis le seul qui peut les sauver. Morte. Ils ont rien fait. Rien. On nous attaque. Et allez. Changer le monde. Mince, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Tout a bougé autour de nous. Ah, j'aurais dû faire quelque chose. Super, ça fait longtemps. Elle m'a
Fatigué. Pas dormir. Vous êtes de retour? Personne n'est jamais passé prendre de mes nouvelles avant. Une de mes sculptures? Oh! Vous l'avez trouvée! La dernière! Oh, quel plaisir de les voir réunies! Elles se ressemblent tant! Et pourtant, pas tout à fait. Comme les nombreux aspects de la Tisnée, quand j'y pense. Oh, je me souviens maintenant. Petit Jean qui dormait tant, rêva qu'il avait vu des dents en ombre et des voiles sombres dans la lumière crue. Deux dents de cuivre blanc volées à neuf peignes cassées et cette feuille jaunie taillée dans un tome oublié. Et Petit Jean qui dormait tant, rêva qu'il avait peur. Mais au matin ne trouva l'ombre de cette nuit de malheur. J'imagine que ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est ce dont j'essayais de me rappeler. Le ressenti de la Tisnuit, plus que son apparence physique. Merci. Ok. Attendez, est-ce que vous... Pas dormir. Je vais me faire dévorer. Ah, j'aurais dû faire quelque chose. Je me souviens pas. Je me souviens pas.
c'est intriguant. Il s'avère que ce monde corrompu n'est pas encore dénué de surprises. Je vous salue alors, et vous souhaite la bienvenue dans le royaume des failles, ou en tout cas, ce qu'il en reste. Je suis Nimue, orfèvre, voyante, déesse des failles et conseillère du vrai roi, ou je l'étais en tout cas. Mon don reste de voir ce qui ne peut être vu et de forger ce qui ne peut être forgé. Alors, être étrange, qu'est-ce qui vous amène devant moi ? Comme vous, vous dites, vous avez un goût unique qui m'est parfaitement inconnu. Mais votre apparence, peut-être ? Oui, cela me dit quelque chose. J'ai peut-être vu cette clémentine dans mes rêves et mes visions. Elle adopte une forme similaire à la vôtre, n'est-ce pas ? Mais elle a un goût différent, plus puissant. Je l'ai vue dans un royaume très important, rempli de portes et de possibilités. Toutefois, je ne le reconnais pas, ni ne puis-je trouver le chemin qui y mène. Pas ici, pas dans ces circonstances. Vous n'êtes pas la seule âme en quête de réponse. Il y en a une autre, un citoyen de ces royaumes jumelés. Et la réponse que je lui ai donnée est celle-là même que je vous donne. Vous êtes comme une proie aux yeux d'une créature sans pareil dans ce monde jumelé. La jadis sublime, dix nuits. Précisément. L'odeur est aussi forte sur vous qu'elle l'était sur lui. Vous ne pouvez pas lui échapper. Elle n'est peut-être pas encore à votre poursuite, mais elle viendra. Si elle vous trouve, vous ne survivrez pas. À moins que vous la chassiez avant. Trouvez-la, être étrange. Apportez le cœur d'une de ses récentes victimes dans son royaume et éliminez-la avant qu'elle se mette en chasse. Je peux vous envoyer sur son terrain de chasse. C'est la seule aide que je vous accorderai, bien que ce soit plus un fardeau qu'une assistance. Un avertissement toutefois. Sur ce terrain ne règne que chaos et discorde. Vous aurez bien plus à craindre que la créature elle-même. Assurez-vous que vos préparatifs soient adéquats. Une déesse, être étrange. L'éternelle déesse des rêves, sanctifiée et adulée par tous les faits. Hélas, elle n'est plus ainsi. Lorsque notre monde fut corrompu, elle le fut aussi. Nous sommes perdus dans ce royaume balafré. Tous autant que nous sommes. Cherchez son île. C'est un endroit d'indicible infortune et de souffrance. Mais vous avez nécessairement dû le traverser, puisque vous portez déjà sa marque. Ainsi soit-il. Au revoir, être étrange.
joie et bénédiction pour m'avoir ramené cet enfant. Je vous remercie. Je n'ai pas grand-chose à donner, mais tenez, prenez ceci. Vous avez perdu quelqu'un, une amie. Vous êtes venu ici à sa recherche. Oui, c'est elle. Elle vous a sauvé. Et c'est maintenant à votre tour de la secourir. Mais vos chemins ont bifurqué, apparemment. Elle n'est pas du tout dans ce monde. J'en suis désolée. Mais vous êtes sur la bonne voie. Vos routes se croiseront bientôt. C'est sûr et certain. Je la vois dans un endroit fait de coutures, de chemins et possibilités infinies. Qui est Nimue, mon cœur? C'est une des Faées, alors. C'est pour ça qu'elle ne me dit encore rien. Ils sont tout aussi perdus que nous, mais la façon dont ils réagissent est proprement terrifiante. J'ai peur que l'avenir ne soit pas très clair. Ou bien, il est possible qu'il n'ait pas encore été cousu. Vous voyez, notre monde a été déchiré. Mais je vais le rapiécer comme il faut. Une couture à la fois, comme cette couverture. Ce monde s'est perdu tout seul. Il a perdu de vue ce qui était important. Le changement était inévitable. Mais ce changement est arrivé plus vite que quiconque ne pouvait le prévoir. Et maintenant qu'il est là, il faut l'achever, avant qu'il nous achève. Chaque fil, chaque pièce contribue à terminer le changement. Jusqu'à ce qu'il soit achevé et que nous nous retrouvions. Même vous, maintenant que vous êtes là, vous avez votre propre pièce à coudre. La collision des mondes nous a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose de terrible. Elle nous chasse pendant que nous dormons et dévore nos rêves, nous nourrissant de cauchemars et se délectant de nos peurs. Ceux qui lui succombent finissent vidés et brisés, mais elle ne les tue pas. Pas avant d'en avoir fini avec eux. Elle les garde en vie, juste assez pour pouvoir revenir de cette couture des mondes n'est pas aussi terrible qu'il m'y paraît. Mais la Tisse Nuit, elle, oui. Si vous voulez véritablement nous aider, elle doit disparaître. Il y a un endroit rempli de drânes où les malades de l'esprit sont emmenés par mesure de protection. La leur, ou celle des autres, c'est difficile à dire. C'est là que la Tisse Nuit attend, dans les profondeurs et les ténèbres. J'espère que ça vaut le coup. D'accord. À plus.
puis-je faire pour vous ? Bonne route. Quelle aide Doel peut-il offrir à cela ? Ah oui. Il faudra vite revenir. J'ai nulle part où retourner, vous savez. Hey ! C'est chez moi ici maintenant. Salut ! T'as besoin de quoi ? Celui-là, si t'as besoin de te faire rafistoler. Nora fait des merveilles pour les gens d'ici. Mmh. On a besoin de docteurs plus que bien n'importe sûr. Quoi d'autre. Là, si t'as besoin de te faire rafistoler, qu'est-ce que je peux faire ? T'as besoin de quoi ? Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Salut, Tash. Vous trouverez. Repassez me voir de temps en temps. Hé, pas de quoi ? Oh non. Alors, qu'est-ce que le vieux revient de temps en temps, d'accord ? Qu'est-ce qui est pire d'après vous ? Voyager sur Terre ? Vous êtes de retour. Je savais que vous alliez dire cela. À la prochaine. Clémentine n'a pas utilisé cette pierre flottante, pas vrai ? Maman, elle dit qu'il faut pas.
crever. Putain! Oui.
Mais merde!
vous aurez pas! Les voilà! Tombé dans mon piège!